Thank you.
Liégeois, le numéro 11, Paul Rickman, rentre à la place. Numéro 24, Karine Desailly. Alors Laurent, une bonne prestation avec un but décisif déjà. Ben oui déjà, il a été plus rapide que ceux de l'année passée, donc ça fait plaisir. J'attendais de marquer ici avec impatience. Et en plus devant le public, c'est super. Oui, du bon côté. Oui, voilà, du bon côté, ça fait super plaisir. Avec quelle ambiance, donc évidemment, ça fait un peu de frisson quand tu marques. Et même encore maintenant, on les a encore un petit peu. Donc on va regarder ça encore une fois à la télé, pour encore l'avoir une fois à la maison devant la petite famille, ce sera bien. Ceci dit, ça a été un match difficile. Hein. Ben oui, il marque sur. On avait dit qu'il savait être dangereux que sur les phases arrêtées. Et il marque sur ce qu'on avait dit. Et c'est un peu dommage de prendre. On peut dire que c'est un big goal parce que je pense qu'on avait le match en main. Il n'avait pas spécialement de cas jusque-là. Mais c'est une équipe flamande. Ça joue à la hargne jusqu'au bout. Et on l'a vu. Le nombre de cartes qui étaient sorties, c'est quand même pas mal. Donc voilà, mais bon. On en sort grandi et maintenant c'est un peu plus ce qu'on vaut, parce qu'on est une équipe qui est de notre valeur, donc voilà. Et on passe un tour, à domicile encore, donc tout va bien. Voilà, espérons encore un petit but, mais plus facile hein, quand même, la semaine prochaine j'espère. Alors comme on dit, Dante, une victoire à l'arraché, mais le principal c'est de l'emporter. À l'arraché, oui, vu les circonstances. Dans les chiffres en tout cas. Oui, dans les chiffres, même si on a... Je pense que l'équipe a montré de belles choses pendant 35 minutes en première mi-temps avec du foot comme on travaille depuis 4 semaines et on s'est créé aussi quelques possibilités. Évidemment, Xarteleu avec ses grands gabarits sur phase arrêtée pouvait être dangereux uniquement sur ça. Je pense qu'on a aussi du répondant physique et athlétique aussi dans les duels. Et je pense que même dans le moment le plus difficile, on l'encaisse et on a une superbe réaction de renverser la situation et de gagner ce match dans l'ensemble qui est mérité. Ce qui est bien, c'est qu'on continue en coupe, donc des matchs officiels. Ce sera Wingeneux, une des trois amateurs aussi, avec la possibilité de franchir un tour supplémentaire peut-être. Le but, c'est de franchir
d'aller le plus loin possible. Oui, un objectif, c'est de tomber contre une division 1 ici. Ce serait le pied pour le public, pour tout le monde. Ce serait un jour de fête, voilà. Donc, ce serait. Mais bon, avant ça, on vient de passer deux tours. Il reste encore deux tours à passer pour pouvoir avoir une division 1. Donc, on a fait la moitié du chemin. La semaine prochaine, on aura fait les trois quarts. Et puis, il restera encore un dernier match. Donc voilà, une chose à la fois. Il y a un match le 15 août. Donc voilà, à Tirlemont, où des garçons vont faire un travail différencié et d'autres joueront 90 minutes. Et dans l'ensemble, satisfait du comportement de l'équipe, confiant pour le championnat? Quand on voyait le public à la fin, content donc, et applaudir comme d'hab. Donc c'est le pied pour les joueurs. Laurent de Thiers me disait, je me suis amusé, je me suis éclaté aujourd'hui. Je pense que ben voilà, le foot c'est aussi ça, c'est que les joueurs prennent du plaisir et qu'ils s'éclatent. En plus, quand il y a une victoire, c'est toujours beaucoup plus agréable. Mais le but, c'est de donner du plaisir aux gens qui sont dans les gradins. Et même moi, je prends du plaisir, même si je vis le match différemment que peut-être un supporter banal, quoi.